Bon. Comme on dit, le ridicule ne tue pas, hein. Mais en tout cas, c'est excessivement énervant. Tiens pas en place ce truc qui glisse. Est-ce que je vais la garder toute la vidéo? Bien sûr que non. Et bonne année! J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien profité, que vos fêtes se sont bien passées, que vous avez pu profiter de vos proches, que voilà, vous vous êtes amusés et que tout s'est bien passé. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où d'abord, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année. J'espère vraiment que cette année sera bien meilleure que celle que l'on vient de passer. On va pas revenir dessus, hein, c'est assez glauque. On est passé à autre chose. 2020, c'est derrière. On s'en fiche, voilà. Hein, maintenant, on va de l'avant, de l'avant, de l'avant. Et j'espère que cette nouvelle année vous apportera tout ce que vous souhaitiez déjà en 2020 et que vous serez heureux, que vous serez épanoui, en pleine santé et que tout se passera pour le mieux pour vous. Je tenais aussi à vous remercier, comme là c'est une toute nouvelle année qui débute, de ces 6 derniers mois depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube en juillet 2020. Vous avez été énormément à me rejoindre, à me suivre, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram. Vos commentaires, vos messages, vos j'aime, vos tout, merci, 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 merci. J'espère que cette année, eh bien, ce sera la même chose, qu'on pourra tous s'agrandir et partager encore des tonnes de choses comme on a pu le faire par le passé. Tenez à vous remercier énormément du fond du cœur de l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo qui était un vlog qui n'avait rien à voir avec le coloriage. Et du coup, je tenais vraiment à vous remercier, vos commentaires, vos messages. J'avais tellement peur, mais tellement peur que ça ne vous plaise pas. Et puis, ben, ça n'a pas du tout été le cas. Il y a eu beaucoup plus de petits pouces vers le bas que d'habitude, mais je m'en fiche parce que vos petits pouces en l'air et vos messages, vos commentaires sous la vidéo, c'est du pain béni. Donc merci, merci, merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Attendez que je réfléchisse, juste ici. Voilà. Qui dit nouvelle année dit forcément qu'il y aura des petits changements sur la chaîne. C'est-à-dire, première chose, c'est que je vais garder le rythme de une vidéo par semaine. C'est vrai, les derniers temps, c'était pas ça. Mais pour cette année, je vais garder du coup le rythme de une vidéo par semaine. Tout simplement parce que c'est plus simple pour moi. Surtout que dans quelques temps, à mon travail, je travaillerai une journée en plus. Donc ça ne sert à rien que là, je vous fasse deux vidéos par semaine et que dans quelques temps, je vous dise, bon, ben, je repasse à une. On va rester comme ça. Et évidemment, si j'ai une vidéo supplémentaire à vous proposer, je la sortirai. Vous serez prévenus sur Instagram, il n'y a pas de souci. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est là où je suis plus active. Ok, pas les derniers temps. Mais voilà, qui dit nouvelle année, dit nouveau départ. Donc voilà, on va essayer de retrouver la pêche et c'est déjà un petit peu le cas. Ensuite, deuxième chose, la vidéo ne sortira plus le mercredi, mais elle sortira le samedi. Pour la simple et bonne raison que pour la sortir le mercredi, je dois donc la filmer le week-end. Sachant que le week-end, mon chéri est là, donc il joue à ses jeux sur son PC. Donc voilà, hein, je peux pas lui dire non, tu joues pas, je dois filmer. Hein, donc j'essaye de trouver des moments où je peux filmer le temps qu'il joue pas. Ensuite, je dois monter la vidéo. Et c'est toujours pareil, c'est sur son ordinateur à lui. Donc pareil, je vais pas lui dire bouge de là, je dois monter une vidéo. Donc bah, j'essaye toujours de m'arranger quand il dort le matin. Enfin, c'est une galère. Donc tout ça pour dire que le mercredi, pour l'instant, je ne travaille pas, mais lui travaille. Donc je vais profiter de cette journée pour filmer, faire mes montages, garder le vendredi pour
fignoler les montages si jamais je n'ai pas fini pour pouvoir vous sortir la vidéo le samedi. C'est beaucoup plus simple comme ça. Moi, ça me mettra moins de pression. Ça change pas grand chose. Et au moins, c'est beaucoup plus pratique. L'heure aussi va changer. Ce ne sera plus 9h, mais ce sera 10h10. Oui, parce que le 10, c'est mon chiffre préféré. Comme ça, c'est pareil, 10h, ça me laisse le temps le matin si j'ai un petit couac d'informatique, chose qui m'arrive souvent. Eh bien, au moins, je suis tranquille et puis voilà, je m'évite un petit peu tout le stress que je me suis mis les derniers mois. Voilà. Ensuite, évidemment, comme mon vlog a été hyper bien accueilli, j'en referai d'autres, il n'y a pas de souci. Il y a plein de nouveautés, plein de formats qui vont arriver sur la chaîne. Je vais lancer de nouveaux formats qui, je pense et j'espère surtout, vont vous plaire. Bon, par contre, je vais enlever ce truc là parce que je transpire des cheveux. Oh, ça va beaucoup mieux. Bref, du coup, on en vient, je pense, à la partie que vous attendez le plus, qui sont mes cadeaux de Noël. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai beaucoup hésité à faire la vidéo. Pas spécialement pour les cadeaux en eux-mêmes, mais parce que, ben, comme vous le savez, si vous avez vu mon vlog juste avant, je n'étais pas dans un mood hyper... Et du coup, j'ai un petit peu hésité à la faire. Mais ensuite, je me suis dit, mais pourquoi? Étant donné que j'avais déjà fait la vidéo des cadeaux de Noël en plein été, j'ai cassé un pouce. Donc, pourquoi ne pas faire les vrais cadeaux de Noël? Surtout que vous avez été vraiment beaucoup sur Instagram à me demander. Donc, c'était trop mignon. Je vous remercie beaucoup. Alors, t'as été gâtée. Donc, voilà, je vous remettais un petit peu ce que j'avais eu en coloriage. Et puis, timidement... Et sinon, je peux te demander ce que t'as eu hors colo? Du coup... Je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo, comme ça au moins ce sera plus simple. Quand je me suis décidée, je me suis dit, je vais faire que le coloriage et vu le nombre de messages que j'ai eu, je vais tout vous montrer, comme ça vous saurez tout. Donc il y a trois catégories de cadeaux, mode, beauté, coloriage et high-tech. Évidemment, je vais finir par le coloriage car comme on dit, on garde le meilleur pour la fin, même si pour moi... Ils sont tous au même niveau. Pour moi, tout est le meilleur. Mais je pense que vous, peut-être que vous préférerez le coloriage. Donc, on va le garder pour la fin. Je vais vous présenter le reste avant. Et c'est parti. Je vais me décaler un petit peu. Hop. Premier cadeau. Donc, j'ai reçu un sac absolument trop beau. Donc, de Desigual. Il est tout simple. Il est tout petit. Mais c'est parfait pour... Le portefeuille, le gel antibactérien, le masque, voilà. Trop beau, enfin tout simple. Donc voilà, pour le printemps-été, ce sera absolument parfait. Ensuite, parce que je suis une fanatique de parfums, j'en ai plusieurs. J'ai le Black Opium que je ne mets qu'en automne-hiver. J'ai La Vie est Belle que je ne mets qu'au printemps-été. Et j'ai celui-ci, donc c'est le Deciseur de Zadig et Voltaire, que celui-ci je mets en toute saison. Donc du coup, je suis très contente d'avoir eu celui-ci parce que je n'en avais plus du tout. Et il sent, mais... On rajoute. Il sent, mais tellement bon. J'adore ce parfum. Si vous cherchez un parfum qui est un petit peu... sucré, velouté comme ça et qui passe à toutes les saisons, qui est pas trop fort pour uniquement l'automne-hiver et pas trop léger. Enfin, voilà. Il est génial. J'adore ce parfum. Donc, trop contente. Donc, on va passer à la beauté. Et pourquoi autant de cadeaux portés sur la beauté? Tout simplement, toujours en rapport avec ce dernier vlog. Vous savez que voilà, j'étais dans un mood où j'étais pas très bien, j'avais vraiment besoin de reprendre soin de moi. Qui dit reprendre soin de moi, dit reprendre soin de moi, mais de la meilleure des manières. C'est-à-dire reprendre soin de moi, mais avec les convictions que j'ai, les valeurs que j'ai. Et il faut savoir que tous les produits que vous allez voir, je les ai choisis soit vegan, soit cruelty free, soit les deux.
Donc voilà, parce qu'il était juste inconcevable pour moi de continuer comme il y a quelques années où on n'était pas autant sensibilisé par tout ça. Que là, je reprenne soin de moi, mais avec des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, qui sont les plus sains possibles. Donc voilà. Donc là, on part sur tout un réassort parce que c'est pareil. J'avais totalement arrêté de me maquiller il y a 7 ans parce que j'avais fait un dérèglement hormonal et je m'étais retrouvée avec une acné. Même pendant mon adolescence, je n'ai jamais eu ça. Pendant mon adolescence, si j'ai eu 4 boutons qui se battaient en duel, c'était énorme. Mais là, ça a été une vraie acné, mais carabinée, où j'avais des plaques de partout, c'était horrible. J'ai mis quelques mois à m'en débarrasser. Et depuis ce jour-là, en fait, j'avais arrêté de me maquiller parce que j'avais tellement peur que l'acné revienne, que j'avais totalement arrêté. Donc je mettais plus que de la bébé crème, un peu de poudre, bon, de l'eyeliner, du mascara, mais sans trop charger. Au bout de 7 ans, maintenant, je pense que l'acné est définitivement partie. Hein. Je n'ai jamais eu de nouveau ce genre de crise acnéique depuis que voilà, j'ai eu un traitement, etc. Donc voilà, donc du coup là voilà, entre mon bad mood de fin d'année où j'avais plus confiance en moi, voilà, j'avais besoin de reprendre soin de moi autant par le coloriage, donc par l'intérieur, que par l'extérieur. Donc on repart sur toute une gamme de maquillage. On commence avec ce petit recourbe cils, donc de la marque NYX Professionnel. Parfait, ça faisait très longtemps, j'avais tout jeté en fait, donc je suis hyper contente. Donc un recourbe cils. Ensuite j'ai eu un roller de la marque Beauty Bay. Alors je vais vous montrer. C'est génial, ça par contre ça faisait des années que j'en voulais un, mais je trouvais que les prix étaient beaucoup trop chers. Et celui de la marque Beauty Bay est génial. Donc ce sont les petits rollers en pierre de jade, vous savez, pour les contours des yeux, pour les poches, pour les ridules, en fait pour voilà, refaire circuler le sang en fait correctement, qu'il n'y ait plus des amalgames au niveau des yeux, etc. Donc là je suis super contente, il est génial, ça fait vraiment un côté frais sur le visage, ça fait du bien, voilà, donc pour décongestionner un petit peu, enfin voilà, ça ce sera vraiment parfait, donc je suis vraiment très contente. Ensuite, j'ai eu un magnifique lot de pinceaux de la marque By Beauty Bay, donc de la marque de Beauty Bay. Donc c'est un lot de pinceaux, donc, vous voyez, je les ai même pas encore déballés. Il faudra que je les nettoie, que je les nettoie avant de pouvoir les utiliser. Donc là, il y a tous les pinceaux pour les yeux, pour le teint, donc parfait. Avec ça, je vais pouvoir me refaire un petit peu belle. Donc je suis très contente. Et par contre, ils sont super doux. Donc je ne connais pas vraiment la qualité. Après, vu le prix de base des pinceaux, je pense quand même que ça doit être vraiment de la qualité. Voilà. Et puis tous les avis étaient très très bons. Donc je suis très contente. Donc c'est un lot de 18 pièces avec la petite trousse assortie. Et forcément, qui dit pinceau dit maquillage. Donc j'ai eu cette magnifique palette de la marque XX Révolution. Donc c'est la palette XXplosion. Et elle porte bien son nom. Je suis un petit peu déçue parce que au moment de la déballer, en fait, j'ai un fard qui est cassé. Voilà, donc elle porte bien son nom. Mais sinon, hormis ça, donc c'est une énorme palette. Je crois qu'il y a 36 couleurs, même plus. Que nini, je dis n'importe quoi, il y a 66 couleurs à l'intérieur. Donc je suis vraiment très contente. Donc là, je vais pouvoir refaire des maquillages et reprendre soin un petit peu de moi. Donc je suis vraiment très contente. Je l'adore. Enfin, je l'adore d'aspect. Après, je vais voir un petit peu ce que les fards donnent. Donc voilà, je suis super contente. Là, c'est
Vraiment un très 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 beau cadeau pour le coup. Du coup, ce fond de teint que j'ai vraiment trop hâte d'essayer. Je n'ai pas encore essayé tout ce que j'ai parce que tout simplement, voilà, pas eu le temps. Donc voilà, mais donc très contente. Un fond de teint, ça va me changer la vie. Avant le fond de teint, évidemment, nous avons un primer. Donc celui-ci est également de la marque Catrice. Donc un primer, c'est simplement une base, hein, à appliquer avant fond de teint, etc. Donc très contente, j'ai hâte de voir ce qu'elle donne. Avec mes super cernes dont je me plains H24, il était vraiment temps de réinvestir dans un concealer. Du coup, celui-ci, c'est de la marque Révolution. Donc Makeup Révolution. Donc c'est le Conceal and Define. Ensuite, qui dit teint dit bronzer. Donc celui-ci, c'est aussi de la marque Catrice. Et je vais vous le montrer, il est trop beau. Donc il est comme ça, un petit peu pailleté. Il est juste magnifique. Je n'ai pas du tout été influencée par Salomé. Donc voilà, trop hâte de l'essayer. Qui dit bronzer dit blush. Donc j'ai reçu celui-ci de la marque Makeup Révolution pour le coup. Celui-ci, c'est le Blusher Reloaded, c'est le Violet Love. Donc il est comme ceci. Donc ça fait un vieux rose. Vous le voyez un petit peu plus vieux rose, mais il est. Vous voyez, ça fait vraiment un très joli rose. Donc pour les périodes un petit peu printanières qui arrivent, ce sera vraiment pas mal, je pense. Donc je suis très contente. Ensuite, nous avons la poudre. Donc je l'ai prise en deux teintes parce que commander sur internet comme ça, je sais pas trop ce que ça peut donner. Parce que bon, bah forcément la commande a été faite sur internet. Et il s'agit donc de deux poudres. Donc de la marque toujours Catrice. Donc une teinte claire, donc c'est le 010 transparent, donc ça je pense que ce sera très bien pour les dessous de l'œil. Et nous avons la teinte 025 sand beige, donc sable, voilà, qui sera bien peut-être pour le reste du visage, à voir si c'est pas trop foncé, sinon ce sera très bien pour le printemps, plutôt été, quand je commencerai à bronzer. J'ai aussi reçu en cadeau du fait que voilà, la commande pour Catrice dépassait un certain montant, donc j'ai eu le droit à un petit cadeau de la marque Catrice. Donc c'est un crayon fard à paupières, donc qui est vraiment hyper joli. Donc c'est un brun pailleté, vraiment très beau. On ne le verra pas très bien là, mais il est vraiment super joli. Donc très contente d'avoir eu ça en cadeau en plus. Et forcément, qui dit fond de teint, qui dit poudre, qui dit blush, dit forcément highlighter. Je n'ai toujours pas été influencée par Salomé. Donc là, par contre, c'est une palette d'highlighter de la marque I Love Révolution, donc de la marque Révolution. Et voilà, vous avez les deux highlighters qui sont ici, donc magnifiques, donc un rose gold, un doré, qui sont vraiment très beaux. Je vous les swatch sur la main, voilà, c'est juste magnifique. Donc le doré et le rose, c'est trop beau. Donc voilà, donc très contente, parce que ça, je crois que j'en ai jamais eu, des highlighters. Donc là, je suis trop contente. Et pour compléter un petit peu tout ce petit monde, j'ai reçu ce petit miroir qui s'allume. C'est génial. Donc pour me maquiller, ce sera pas mal. Salut. Oh, ça fait un peu Inception. Vous me voyez dans... Voilà. Donc trop content, donc voilà, ce sera très bien. Vous avez un petit pied comme ça pour pouvoir le poser. Donc c'est très bien. Éteins-toi. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est cadeau, beauté. Donc je suis vraiment trop contente parce que je vais pouvoir reprendre soin de moi. Et ça, vraiment, ça fait vraiment très plaisir. Et on va passer à la partie que vous attendez tous et toutes. Évidemment, le coloriage. Il était attendu, il était désiré, il était adoré. Le dalle, ça y est, j'ai enfin
mon petit DAL 133, donc il est déjà monté, assemblé, déballé, parce qu'il était déjà posé sur mon bureau, évidemment. Donc trop contente, je n'ai pas encore eu le temps de le tester, mais hyper contente de l'avoir enfin. Ça va me changer un petit peu du Tigal, et puis voir un petit peu, comme vous me disiez souvent dans les commentaires, voir le... l'effet complémentaire en fait que le Tigal et le DAL peuvent avoir ensemble. Donc je suis trop contente. Ensuite, et là ne fut pas mon choc, une magnifique mallette de Posca. Évidemment. Bon, c'était les petits guides. Donc une mallette de Posca avec différentes tailles. Donc là pour le coup je suis trop contente, donc là ça me refait un sacré stock. Je suis ravie, que dire d'autre. En plus vous avez la petite mallette qui va avec, pas besoin de racheter une pochette, c'est parfait. Je suis ravie. Donc vous voyez, c'est comme pour les pinceaux de maquillage, ça n'a pas encore été déballé. Je viens de découvrir un truc, il y a encore vous pouvez encore en mettre en dessous comme ça. Bah voilà, je viens de découvrir un truc. Bon, pas imparfait. Donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai eu deux livres. Donc les Country Cottages et le Country Gardens. Trop contente. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus sur Amazon. Je pense que c'est le genre de livre que l'on peut colorier toute l'année. Donc j'aime bien avoir des livres spécifiques. Par exemple... j'aurais bien aimé avoir le sorcière, par exemple, pour Halloween, tout ça. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir des livres où on peut les colorier toute l'année. C'est pas plus mal, au moins on est sûr de s'en servir tout le temps. Donc je suis super contente. Regardez-moi ça, cette illustration avec le toutou. Elle est trop belle. Donc voilà pour le Country Gardens et le Country Cottages. Donc hyper contente. Et j'ai eu le best-of Disney. Tellement contente. Voilà. Donc là, par contre, je ne ferai pas la même bêtise. Je les prendrai dans l'ordre et je les ferai dans l'ordre. Donc là, je suis ravie. Je suis trop contente. Ensuite, on en vient à des cadeaux colo que l'on m'a fait, mais qui sortent de ma famille. Et je tenais à vous remercier encore les filles. Vraiment, je savais pas quoi dire. Je vais commencer par les cadeaux d'une amie qui m'a offert cette petite palette d'aquarelle Winsor & Newton. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc, vous le savez déjà si vous avez vu mes précédentes vidéos. J'ai déjà une palette d'aquarelle Winsor & Newton, mais ce n'est pas du tout les mêmes couleurs. Quand j'ai vu que c'était cette marque, j'ai vu qu'il y en avait 12, je me suis dit, oh non, la pauvre, elle m'a repris la même, elle a dû se planter. Et en fait, pas du tout. Donc, je les ai pas encore déballées. Mais les couleurs sont trop belles. Je n'ai pas ce turquoise, je n'ai pas ce vert, je n'ai pas ce vert, je n'ai pas ce violet. Peut-être que celle-ci est encore, non, je pense pas. Mais j'ai pas un jaune vif comme ça, j'ai pas un rouge. C'est un rouge... un rouge un peu bordeaux. Elle est magnifique cette palette. Et si vous la cherchez, c'est la palette Cotman. Voilà. Cotman ? Non, Cotman je pense quand même. Donc voilà, je suis trop contente. Et à l'intérieur, vous avez un bébé réservoir d'eau. Trop mignon. Je vais vous montrer. Donc il se présente comme ça. Hop, vous tirez. Vous mettez de l'eau. Vous le retournez et voilà. Donc parfait. C'est génial. Je suis ravie. Donc merci ma popo de ce magnifique cadeau. Et le deuxième cadeau qu'elle m'a fait, c'est une tasse Disney. Ta-ta-ta. Si vous me connaissez, vous saurez que c'est la fée Clochette. Je suis tellement contente. Je lui ai dit, mais c'était un cadeau, soit l'un soit l'autre, pourquoi deux, pourquoi tout ça, enfin... Et elle se présentait comme ceci. Donc là c'est
Today I will shine. Donc je pense que c'était vraiment pour refléter mon humeur des derniers temps et qu'il est temps que chaque jour maintenant je brille de mille feux. Et du coup voilà, donc super idée avec la petite fée clochette là qui là, elle est frustrée. Là elle est toute mignonne, un petit peu flirty. Là qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pensive. Enfin voilà. Trop chou et voilà, j'adore. Donc l'intérieur est noir comme ça. Trop hâte de boire mes thés dedans. Voilà. Et ensuite, on en vient au dernier cadeau d'une amie. Maintenant, je peux le dire. Donc c'était. Mais j'arrête pas de vous taper. Qui maintenant on peut le dire donc est devenue une amie. Donc il s'agit de Aurélie de la chaîne Lily Scolo qui m'a fait un cadeau mais beaucoup trop gros. Beaucoup trop gros, j'en suis vraiment ravie. Donc merci, merci encore à toi ma belle, parce que là, waouh, j'ai été choquée, mais j'ai été tellement choquée. On va commencer avec les livres. Oui, pas un. Bah oui, bah non, un c'était un, voilà. Le premier c'était que j'ai déballé, c'était le Fairies, donc de Christine Caron, pardon, j'en suis encore toute retournée, qui est juste magnifique, donc un grayscale, et je suis tellement contente. Regardez-moi ces illustrations à l'intérieur. Waouh, 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 j'ai tellement hâte de me mettre dedans, et très clairement, ce sont ces cadeaux-là qui m'ont tellement donné envie de m'y remettre. C'est voilà, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau, c'est... Oh, cette illustration est juste sublime. Donc là, vous avez un petit peu les illustrations qui sont derrière. Donc je suis trop contente, mais tellement, tellement, il est trop beau. Et le deuxième livre, c'est le Fashion de Alana Lazareva. Encore du grayscale, et je suis tellement contente. Je vais vous montrer quelques illustrations, c'est tellement beau. C'est tellement beau. J'adore. Regardez-moi ça, c'est trop mignon sous le sapin. C'est trop beau. Je suis ravie. Alors moi qui suis une fanatique de parfum, quand je l'ai ouvert, je suis tombée sur cette illustration. Magnifique, voilà. Que j'ai tellement hâte de mettre en couleur, donc merci. Ensuite, on passe à du matériel. Oui, oui, c'est toujours Lily's. Hein, elle est folle. Elle m'a envoyé donc du easing, donc des paillettes, de la peinture paillettes pailletée, forcément, blanche avec les paillettes comme ça. C'est trop beau. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. C'est parfait. Et le dernier, cette petite fofolle m'a envoyé des pastels à l'huile de chez Faber-Castell, donc c'est la boîte de 36. Je suis tellement contente. Et le pire, c'est que j'en parlais avec mon chéri, je sais pas, milieu décembre. Et je me disais, tiens, faudrait que je regarde peut-être pour des pastels à l'huile, ça changerait un petit peu pour des fonds, pour voilà, pour plein de choses. Mais elle a tapé dans le mille, quoi. Du coup. Donc voilà, donc le petit lot de pastels à l'huile. Donc je suis tellement, tellement, tellement contente. C'est un très, très, très beau cadeau. Un très, trop beau cadeau. Vraiment, je suis ravie. Merci encore, merci beaucoup, merci beaucoup. Et on en vient à mon tout dernier cadeau qui est du high-tech, plutôt. Celui-ci m'a été offert par mon chéri et parmi d'autres cadeaux hein, qui sont là. Hein, mais donc par mon chéri, justement, là c'est plus en rapport avec YouTube pour que je puisse être tranquille pour plein de choses. Et donc, il m'a offert cette magnifique pochette avec... Voilà, avec un clavier Bluetooth ainsi qu'un stylet. Et donc la pochette, je ne vais pas vous faire patienter 15 000 ans, mais il m'a donc offert
cet magnifique objet qui est tout sale, il y a plein de traces de doigts, je l'ai utilisé tout à l'heure. Et puis vous avez vu que aussi je joue à des jeux vidéo dessus. Donc voilà, en doré. Donc l'iPad Pro, je crois que c'est pas le dernier, hein, c'est l'iPad Pro 9, je crois. Hyper contente, et donc avec ceci, je vais pouvoir répondre à vos commentaires correctement avec mon petit clavier. Je vais pouvoir faire du montage sans avoir besoin d'attendre que mon chéri finisse de jouer pour lui subtiliser le PC. Ce sera parfait, et également pour mes projets qui arriveront, ils arriveront un jour, promis. Ce sera vraiment, vraiment très pratique. Donc dans la pochette, ça se situe, enfin voilà, ça fait comme ça. Et en fait, vous pouvez donc du coup le positionner comme ça. Et évidemment, vous enlevez le clavier. Hop, et ça vous fait un mini ordinateur, quoi. Portable. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment très contente de tous ces cadeaux, parce que c'est des cadeaux qui montrent que voilà, mes proches tiennent à moi et que ils ont envie que je me remette bien, que je me relance bien. L'iPad, c'est pour mes projets qui arriveront bientôt. En même temps, c'est pour moi avoir plus de tranquillité, plus de facilité à vous répondre, pour répondre à vos commentaires, etc. Là, ce petit mot, today, enfin aujourd'hui je vais briller, voilà, c'est le genre de petites attentions comme ça, et pour tous les cadeaux en fait, et voilà, donc j'ai été hyper touchée. C'est vraiment beaucoup, je m'en rends compte maintenant que tout est autour de moi, mais voilà, je suis super contente. Donc c'était c'était un très très beau Noël. Même si voilà, ça a été particulier, mais un très très beau Noël, de très très bons moments, trop bien mangé, beaucoup trop mangé, mais c'était super. Donc voilà, j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà ce que vous avez eu pour Noël. Moi je suis très curieuse, et en plus ça me donne des idées. C'est aussi pour ça que je me suis décidée à faire cette vidéo, c'est parce que ça donne justement des idées de cadeaux à faire à ses proches. Voilà, ça peut être le petit rouleau comme ça, ça peut être un miroir, enfin voilà, ça peut être des idées, voilà, qui peuvent servir à vos proches. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai été très contente de la faire, je suis très contente de débuter cette nouvelle année avec vous. J'espère qu'il y aura plein d'autres vidéos, que vous serez toujours là. Il y aura plein de vidéos qui arriveront. C'est promis, je reprends du poil de la bête. J'ai été un petit peu absente les derniers temps, mais je suis toujours là. Il y a plein de formats qui vont arriver, plein de vidéos, tous les tutos que vous m'avez demandé, etc. Et j'espère qu'il y en aura encore plein, plein, plein d'autres à l'avenir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, vous abonner et laisser un commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running.